Bonjour à tous et bienvenue au 13h. L'apport de la femme dans le pays n'est plus à démontrer dans ce journal. Un coup de projecteur sur Madame Ndiba, veuve de son état, vendeuse de pain depuis une trentaine d'années pour la survie de sa famille. Encore une fois de plus, bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez sur la radio-télévision nationale congolaise pour vous informer. Le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a achevé sa mission de 2 jours à Doha, au Qatar, durant laquelle il a eu plusieurs rencontres, notamment un tête-à-tête avec l'émir du Qatar pour échanger sur des questions de coopération bilatérale et d'investissement. Reportage. Poignée de main, accolade et sourire. Le ton est donné dès les premiers instants. Cette rencontre au sommet se tient sur le mode de la convivialité. Entre le président Félix Tshisekedi et le cheikh Tamim bin Hamad Al Thani, émir du Qatar, le courant passe bien. Les deux dirigeants s'apprécient mutuellement. Leur tête-à-tête a duré plus d'une heure. Il a été suivi d'une séance de travail avec leurs délégations respectives. L'objectif était clair, faire le point sur les accords passés, signés entre la RDC et le Qatar, pour enfin les rendre concrets. Il y a 2 ans, nous avons signé une série d'accords avec le gouvernement qatari. La première étape, du moins chez nous, a été terminée, l'étape, si vous voulez, de la validation parlementaire. Ce qu'on appelle techniquement la ratification. Nous avons déposé les instruments de ratification comme de règles dans la matière. De ce côté-ci, l'ambassadeur est allé déposer au ministère des Affaires étrangères. Donc il était temps que nous puissions faire le point de la coopération et surtout le point de la mise en œuvre d'un ensemble de projets que nous avons convenus. Au final, des avancées concrètes ont été faites dans les secteurs utiles pour le développement de la RDC, notamment le transport aérien et les infrastructures. La convention que nous avons signée accordant le droit de trafic à Qatar Airways, nous avons souhaité que d'ici au plus tard au mois de juin, que cette convention soit déjà en application. Et mon collègue a promis que dans les jours à venir, ils vont nous donner des précisions en termes de calendrier. Le deuxième accord, la deuxième convention est relative au port de Matadi. Et là, il y avait une série de formalités, d'actes de suivi qui devaient être accomplis. De notre côté, tout a été fait et je pense que avant, en tout cas la fin de l'année, le travail va commencer pour la modernisation du port de Matadi. Dans l'eau, si c'est clair, l'argent est là. Et puis, il y a le problème de l'aéroport. La construction d'un port d'Engini. Bon, on s'est échangé des informations. Il va y avoir par la suite, des discussions qui vont continuer d'harmonisation pour voir, mais là aussi, il y a des signaux qui sont positifs. Le Qatar se profile ainsi comme un futur partenaire stratégique du Congo. Voilà pourquoi le chef de l'État a décidé, il y a un peu plus d'un an, d'y installer une représentation diplomatique qui vient d'inaugurer son ambassade, flambant neuve. Nous avons ouvert nos portes il y a de cela un peu plus d'une année. Et c'est vraiment un honneur de recevoir le président de la République dans nos murs, ainsi que d'inaugurer, si vous voulez, la première maison du Congo ici au Qatar. Alors le Qatar a une particularité. Quand vous regardez l'histoire de ce pays, quand vous regardez les 10 dernières années, l'impact que ce pays a eu dans le monde, le Qatar est différent dans son approche. C'est un pays, comme vous le dites, très riche et ils ont un sens de valeur qu'ils portent très haut et qu'ils continuent à porter de manière très diplomate et très pacifique, je dirais. Et donc, c'est certainement une plus-value que nous, pas seulement nous, le Congo, mais tous les pays profitent d'une manière ou d'une autre. Et donc, pour nous, c'est vraiment une expérience très, très riche et une opportunité de nouer des liens forts avec ce pays du Moyen-Orient où nous n'avons pas eu de présence jusqu'à ce jour. Le président Tshisekedi a quitté le Qatar en fin de journée pour rentrer au pays. Les opérateurs commerciaux de la RDC du Qatar se sont réunis pour débattre de questions commerciales entre les deux pays. Le président de la République est au front. Au front sur le plan commercial, au front sur le plan de la situation que nous traversons, que nous connaissons à l'est de la République de notre pays. Et au fond sur le plan de la promotion des investissements. Ici, il s'agit d'un expo
particulièrement axé sur la durabilité sur le plan de l'environnement. Et donc il a été présent à cette expo aussi à la fois pour marquer les liens solides qui unissent les peuples qatari et les peuples congolais. Nos autorités au plus haut niveau travaillent ensemble et donc pour que cette coopération soit davantage bénéfique à tous nos peuples, à tous nos deux peuples. Et donc ça c'est la première des choses. La deuxième, c'est que vous connaissez la place de l'ARD Congo sur l'échiquier international, sur le plan de la conservation de la nature. Les enjeux actuels s'agissant de la désertification préoccupent au plus haut point le pays où nous nous trouvons actuellement et bien d'autres pays, avec comme conséquence la famine que cela engendre. Et donc nous avons été présents pour montrer à la face du monde, parce que beaucoup de pays sont ici, pour montrer à la face du monde que nous sommes effectivement le pays solution. Et une délégation de membres du gouvernement et du Parlement, avec à sa tête le ministre des Affaires sociales et Action humanitaire, se trouve dans le Nord Kivu pour la remise de vivres aux déplacés des guerres. En mission de travail en province du Nord Kivu, la délégation gouvernementale et Assemblée nationale s'est dirigée mercredi 6 mars 2024 dans le territoire de Masisi, précisément dans le groupement Kamuronza, village Nzulo. Ici, plusieurs déplacés de guerre qui ont fui les combats entre les forces armées de la RDC et les terroristes du M23 y sont installés depuis plusieurs jours. Cette délégation est venue à Nzulo pour apporter un message de compassion à ses compatriotes congolais qui vivent dans des conditions difficiles. Ils ont d'ailleurs dit qu'ils ont besoin de tout dans leur doléance présentée à la délégation. Prenant la parole, le conseiller politique du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Jacquemain Chabani, a transmis un message de réconfort à ses déplacés. Président Félix Anatutuma, mission officielle, mission humanitaire, Alitutuma Wabatia Poli. Le président Félix nous a envoyé à mission humanitaire officielle. Sachez que vos souffrances sont celles du président de la République. Son souci majeur est que vous rentriez chez vous. Nous sommes venus principalement pour les déplacés de la dernière vague. À particulier principalement jeu à dernière vague, va déplacer à Mouki. Pour le faire, Kazina, général gouverneur, n'a équipé à technique en matière sociale depuis deux jours, tout comme Makazi, il y a évaluation à Mabumu. La évaluation, il y a nombre, il y a déplacé. Jacquemain Chabani Louko a aussi promis à se déplacer des guerres du village d'Oulo qu'une assistance en vivres et non-vivres du gouvernement congolais leur sera remise au courant de cette semaine. Et c'est pour se rendre compte de la prise en charge des déplacés d'Enzulo dans le territoire de Masisi qu'une délégation gouvernementale a inspecté les sites de ces déplacés victimes de guerre. Poursuivant son séjour dans la ville de Goma avec une importante délégation de quelques membres du gouvernement, avec à sa tête le ministre des Actions humanitaires Modeste Mutinga, le vice-ministre de la Santé publique Emmanuel Olen et autres ministres sont allés présenter leur civilité auprès du gouverneur de la province du Nord Kivu. Ces membres du gouvernement Sama ont été dépêchés dans cette partie du pays pour évaluer la situation humanitaire et sanitaire qui traversent les compatriotes déplacés des guerres pour cause des violences perpétrées par les terroristes de M23 soutenus par les Rwandais. C'est mercredi, aux côtés de son collègue des actions humanitaires, le vice-ministre de la Santé publique était porteur du message de compassion du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à l'endroit des près de 8000 ménages qui ont abandonné leur maison pour fuir les violences en s'installant au Kanzolo, dans les territoires des Masisi. Ici, les humanitaires font de leur mieux pour répondre aux besoins de se déplacer, puis s'en est suivi la visite de l'hôpital militaire du camp Katindo à Goma, où sont internés quelques vaillants militaires blessés lors des affrontements avec les agresseurs de la République démocratique du Congo. Leur situation mérite une attention particulière, notant que depuis Goma, Emmanuel Olen a profité de son séjour pour remercier au nom du gouvernement les partenaires de la République démocratique du Congo qui s'impliquent notamment dans la prise en charge des blessés de guerre.
Changeons carrément de chapitre. L'actualité, c'est aussi cette mise en œuvre du grand projet de fabrication de batteries électriques qui bientôt seront lancées. Message du ministre de l'Industrie à une centaine d'investisseurs venus de 120 pays en séjour en RDC au cours d'un forum économique qui se tient à Kinshasa. Patricia Ongu pour le détail. Au nom du gouvernement congolais, le ministre de l'Industrie, Julien Paluku Kaunga, invite les 120 investisseurs venus des 17 pays à travers le monde en tournée en République démocratique du Congo d'y rester et d'y investir dans les secteurs prioritaires dont l'agro-industrie, les zones économiques spéciales, les infrastructures et l'énergie, mais aussi de rejoindre le grand projet de l'industrie des batteries, car les appels d'offres seront lancés dans un bref délai par l'État congolais. Appel lancé ce mardi à Kinshasa au cours du forum économique focalisé sur le développement des réseaux d'entreprises et la valorisation des opportunités de commerce et d'investissement en RDC. J'ai dû démontrer les secteurs prioritaires dans lesquels la RDC a besoin d'investissement aussi bien national qu'étranger. C'est un, l'agriculture, c'est deux, les infrastructures, c'est trois, l'énergie, c'est quatre, le secteur ferroviaire, c'est cinq, les zones économiques spéciales. À cette occasion, les directeurs d'Equity BCDC et les directeurs des opérations de la Banque mondiale en RDC ont déclaré d'être séduits par les opportunités qu'offre la RDC aujourd'hui bien vendue par le ministre de l'Industrie. Signalons que cette tournée qui a démarré depuis le 4 mars à Kinshasa va se clôturer le 7 mars prochain avant de se poursuivre du 7 au 9 mars à Lubumbashi dans le Haut-Katanga. Algérie Pain Victoire afin de servir sa clientèle. Veuve et mère de 6 enfants, Maman Timba parvient à nouer les deux bouts du mois grâce à son activité. J'ai commencé ce commerce depuis 1991. C'est grâce à ce commerce que j'ai élevé mes enfants. Au total, au nombre de 6, mais je scolarisais 3. Deux à l'école primaire, l'un à l'ISTA. Il est 4 ingénieurs aujourd'hui grâce à ces commerces de vente de pain. Je suis seul à la survie de la famille. Et là où je prends mes pains, c'est la compagnie de Pain Victoire. Je vais très tôt le matin, je vais chercher le pain et je passe la route pour vendre jusqu'à arriver sur cette table. Avec au départ un capital de 40 000 francs congolais, elle est devenue indépendante grâce à son commerce qu'elle exerce depuis 1991. Mama Timba est aujourd'hui une source de motivation pour la femme kinoise. Elle est handicapée auditive, vivant à Kinshasa, ont suivi une formation en coupe et couture, objectif assurer leur autonomisation. Plus de détails dans ce reportage d'Emily Kaindo. L'handicap n'est pas une fatalité. Au sein de la famille heureuse et unie, filles et garçons handicapés auditifs s'activent dans la maroquinerie et la coupe et couture. Leur spécialité est dans la fabrication des accessoires en pagne grâce à la formation réussie. En situation de handicap, peuvent signer à autonomie et à croître les ressources. Les associations d'handicap auditif font l'objet d'une marginalisation, mais nous voulons marquer une différence. En restaurant la dignité de la personne en situation de handicap auditif, en offrant des opportunités d'emploi et en transformant des vies. Pour ce mois de la femme, je tiens à encourager toutes les filles et les femmes à être déterminées, à poursuivre
vos rêves et vos passions et surtout à poser toutes les barrières qui se dressent devant vous. Dans cet atelier, les volets santé sexuelle et de la reproduction est également pris en compte. Les personnes, quand ils sont là et ils ont l'amour de faire une chose, ils sont vraiment focalisés sur la chose. Et quand il y a déjà l'amour, la volonté, ils sont bien, leur attention est vraiment focalisée. Donc, ils vont bien comprendre les choses. Et quand il y a des difficultés, ils posent des questions. Et je dont la il n'est plus à démontrer. Et le comité de coordination de maladies de renforcement système plus de précision. Toutes les la troisième, il fallait se réunir les acteurs dans le sens de mise en œuvre. Quels sont les difficultés contre ce problème, quels sont les défis et qu'est-ce que nous pouvons faire pour améliorer à ce que les projets arrivent à la fin avec des résultats. Il fallait d'abord former les personnes qui vont s'élaborer. Et dans ce cadre-là que ce projet avait intégré la formation des utilisateurs de laboratoire en termes de biosécurité et de et le nouveau représentant résident de la JICA, pour lui, ce projet conjoint s'inscrit dans le cadre de l'agenda de la sécurité sanitaire mondiale qui contribue à protéger la RDC contre les menaces sanitaires. Quelques mois de la fin de ce projet exécuté en phase pilote dans le Congo central, le docteur Aron a aimé de voir s'étendre dans toutes les provinces d'elles capitalisées pour améliorer la surveillance épidémique des maladies du choléra, de la rougeole et de la fièvre typhoïde. Et de leur côté, les secouristes de la Croix-Rouge, ville de Kinshasa, ont reçu de brevets d'attestation, ce après une session de formation exclusivement niveau 2, une formation qui s'inscrit dans le cadre du plan de développement Croix-Rouge sur toute l'étendue du territoire national. Pour booster la capacité opérationnelle, les volontaires secouristes de la branche Kinshasa, précisément ceux du district de Moamba, ont suivi avec assiduité la formation niveau 2 axée sur les premiers secours à base communautaire. Ces brevets de participation attestent que ces volontaires sont aptes dans la préparation et l'intervention lors des catastrophes naturelles, les maladies, pour ne citer que cela. Nous sommes très reconnaissants de nos formateurs et du président provincial de ville-province de Kinshasa, la Croix-Rouge, ainsi que la collaboration que nous avons eue pendant 6 mois de formation. Et aujourd'hui, nous avons compris que la formation était tellement importante et nous avons bénéficié à beaucoup de matières. Nous sommes aujourd'hui fiers de bénéficier de ces brevets de secouristes de niveau D de la ville de Kinshasa. Nous pensons ainsi aider encore les plus vulnérables de la RDC dans tout ce qu'ils auront comme un problème. Le président de la branche Kinshasa revient sur la quintessence de cette formation. Nous devons former dans tous les coins et recoins de la ville-province de Kinshasa parce qu'on ne peut pas former seulement un noyau quelque part et puis la ville est tellement vaste. Ce sont des formations coûteuses, mais on n'a pas assez de moyens. Donc nous faisons qu'avec des moyens de bord. Les volontaires, ce ne sont pas des salariés. L'intervention des volontaires secouristes reste très vitale lors d'un accident ou d'une circonstance quelconque, car les secouristes posent à temps les premiers gestes qui sauvent et mettent la victime dans des conditions appropriées avant de les transporter vers les centres de santé les plus proches.
Parlons religion à présent. Le chef spirituel de l'église kimbanguiste, Papa Simon Kimbangu Kiangani, a échangé avec la gouverneure du Olomami, Isabelle Kalinga, sur le développement de sa province. Elle a sollicité de Papa Simon Kimbangu un accompagnement spirituel au sein de sa juridiction. Aérodrome Papa Simon Kimbangu, mardi 5 mars 2024, il est 12h45. La gouverneure de la province du Olomami, Isabelle Yuma Kalinga, foule les sols de Nkamba, Nouvelle-Jérusalem, pour un bref séjour suivi de l'entretien avec sa divinité, Papa Simon Kimbangu Kiangani. Isabelle Yuma Kalinga est en Kamba pour obtenir du chef spirituel de l'église kimbanguiste la bénédiction pour le développement de sa province, le Olomami. Entretien à huis clos autour du développement de la province du Olomami. Le chef spirituel s'est dit satisfait de cette visite et a promis son appui et celui de l'église kimbanguiste au développement de la province du Olomami. Un accueil très chaleureux. Nous avons été privilégiés de le voir. On ne s'y attendait pas. Pensons rentrer avec toutes les solutions possibles pour ma province. La province du Haut, c'est une province qui a presque tout ce qu'il faut, mais qui tarde à décoller. Alors dans le quatre coins, nous cherchons. C'est le message que j'amène. D'abord, c'est un message de soutien. Nous savons que papa est resté avec nous dans son cœur. Aujourd'hui, papa porte le Olomami dans son cœur. Vous savez, les choses de Dieu, il faut aller vers Dieu. Nous avons aussi pensé qu'arriver en Kamba, ce serait une solution pour cette province. La gouverneure Isabelle Yuma Kalinga a eu des mots justes pour saluer la reconnaissance du chef de l'État congolais, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a osé pour donner à l'histoire de la République démocratique du Congo son sens réel en officialisant à l'honneur de l'envoyé spécial de Jésus-Christ, Simon Kimbangu, la date du 6 avril. La gouverneure du Olomami a salué le combat d'un homme qui s'est sacrifié pour émerveiller la conscience d'une élite panafricaniste. Avant de la Terre Sainte, Isabelle Yuma Kalinga, gouverneur du Olomami, est allée s'incliner devant le mausolée du prophète Simon Kimbangu, décédé en 1951. Une visite prophétique qui restera marquée dans les annales de la province du Olomami. Et l'honorable Yumba Kalinga Mushimbi Isabelle, en sa casquette de présidente nationale de Club Bundwe, a en marge de préparatifs de la Journée internationale de la femme donné un lot important de pagnes aux femmes et filles de la province du Haut-Katanga. Ces gestes rentrent dans le cadre de redynamisation de sa mutuelle. Reportage. Il ne se passe pas un jour sans qu'elle puisse avoir une idée de génie pour le bien de sa communauté. Ses œuvres en témoignent. Dynamique, social et altruiste, Dr Isabelle Yumba Kalinga Mushimbi, gouverneure du Olomami et présidente nationale du club Bundwe, a ce mardi 5 mars 2024, en prévision de la journée mondiale de la femme célébrée chaque 8 mars, offert le pagne aux femmes de ces clubs ressortissantes des Bukama évoluant dans la ville de Lubumbashi. Une donation remplie d'amour et témoigne l'attachement de la gouverneure du Olomami, non seulement à la gente féminine de la ville de Lubumbashi dans la province du Haut-Katanga, mais aussi dans les coins et recoins de la RDC. N'étant pas sur place, la chef de l'exécutif provincial du Olomami s'est fait représenter. Un geste qui n'a pas laissé indifférente les bénéficiaires qui reconnaissent en Dr Isabelle Yumba une femme à la parole rare mais aux bienfaisances bavardes qui dépasse même les frontières de sa province, les Olomami. Nous remercions la gouverneure des provinces Isabelle Kalinga Mushimbi. Ces gestes n'est pas les premiers à poser. Chaque année, les femmes ont toujours été bénéficiaires des bienfaits dans le bonheur tout comme dans les malheurs. Que Dieu la bénisse dans son travail et que la Sainte Vierge Marie, Mère de Jésus, intercède dans toutes ses entreprises. Nous savons qu'elle ne nous a jamais abandonnés. C'est connaître, s'aimer, s'entraider, voilà la devise sur laquelle est battu le club Bundwe. Un principe que Dr Isabelle Yumba Kalinga Mushimbi utilise à bon escient pour donner le sourire à tout le monde. C'est une guerre qui se déclare à Kinshasa contre les constructions anarchiques érigées sur les emprises publiques Kangaliema comme Akitambo. Le gouverneur Gentini Ngobila a ordonné à son passage pour l'hôtel de ville la destruction et l'arrêt des travaux initiés à son insu. Reportage Willy Atunakov.
C'est en se rendant à son bureau de travail à l'hôtel de ville de Kinshasa, venant de sa résidence privée de ma campagne, que le gouverneur de la ville de Kinshasa, Gentil Ngobi Lambaka, sur son parcours, s'est personnellement rendu compte de deux constructions anarchiques en cours érigées sur les emprises publiques à son insu. Première escale, ici au niveau de la station entrée ma campagne dans la commune d'Engaliema, où l'autorité urbaine s'est imprégnée de cette situation délicate, accueillie triomphalement à son arrivée par les riverains mécontents de la spoliation de cet espace public, vendu on ne sait par qui, mais dont la responsabilité lui a été injustement et faussement attribué par des fausses rumeurs, comme d'habitude, sans vérification à la source. Après avoir suivi religieusement les uns et les autres et consulté les documents ayant autorisé cette construction, le premier citoyen de la ville qui tient à faire respecter les instructions du chef de l'État sur des constructions anarchiques à travers la capitale a ordonné it et nunc la destruction de ce chantier considéré comme illégal sous les acclamations de la population qui s'opposait déjà à cette occupation illégale. Pour la journée de l'autre, s'appelle Makasi. Okita ya papa la biso gentil ngobila et ça c'est ngomingi. Namalo bana vi ba ko cela muto azaba moboyi makambote. Poursuivant son chemin, le premier citoyen de la capitale a effectué une seconde escale sur l'avenue Bangala dans la commune de Kintambo, où il a fait les mêmes constats amers d'une construction qui va à l'encontre des normes urbanistiques. Selon les explications d'une architecte trouvée sur place, le bourgmestre de cette commune serait au courant de ces travaux de construction d'un bureau du quartier. Le chef de l'exécutif provincial de Kinshasa a du coup ordonné la suspension des travaux avant de convoquer en toute urgence le bourgmestre de Kintambo à l'hôtel de ville de Kinshasa. Et le bourgmestre est au courant ? Oui. Hein ? Oui. Il faut arrêter. Il faut enlever votre palissade. Hein. D'accord. Faut enlever ça rapidement. Pour rappel, la semaine dernière, le bourgmestre de Makala a été traduit en justice, puis condamné à 5 ans de prison ferme pour avoir autorisé la destruction méchante d'un talus sur l'avenue Elengessa, nouvellement modernisé en échange d'un pot de vin. Parlons infrastructure à présent, la route nationale numéro 2 au niveau de Niaboubwe dans le sud Kivu est dans un état de délabrement très avancé. Une mission mixte Office de route FONER et BTC s'est rendue sur place pour constater l'arrêt de travaux. Reportage. Une année après la rupture du trafic entre Niabibwe et Minova sur la route nationale numéro 2, axe Bukavu-Goma, suite aux catastrophes naturelles entre Luzira et Minova, l'office des routes qui transporte les matériaux de Nyamishonga est bloqué au niveau de chez les Français à Niabibwe, au point kilométrique 101 de la route nationale numéro 2, axe Bukavu-Goma, où la route est coupée en deux. C'est la raison d'une mission conjointe effectuée le mardi 5 mars en aller et retour par l'office des routes FONER et le bureau technique de contrôle BTC à Niabibwe, précisément à l'endroit où les glissements de terre ont emporté tous les ouvrages d'assainissement construit par la cellule des infrastructures et qui avait coûté plus de 2 millions de dollars. L'office des routes sollicite l'autorisation de désaffecter une partie du fonds alloué à Nyamishonga au point kilométrique 103 avant que le gouvernement central à travers les PER 2024 n'arrive. La question sera examinée conjointement en attendant les études pour la délocalisation du tracé vers les lacs ou la construction d'un pont comme proposent les usagers et les riverains de cette route. La délégation a constaté une autre catastrophe naturelle qui menace le pont à l'entrée de Kabamba, qui nécessite une route de déviation par passage à gué car les engins de petit tonnage y passent avec tous les risques. Profitant de cette descente, la mission conjointe a visité aussi les travaux anti-érosifs des constructions des buses à Louchébéré au point kilométrique 87+500 et à Niabibwe au point kilométrique 99+500 financé par les PER 2022 qui risquent de s'arrêter si les 50% du financement ne suivent pas. Mais aussi les travaux mécanisés, financés à 30% dans le cadre du PER 2023 entre Katana et Niabibwe, où le constat est que les véhicules roulent bien sur les tronçons travaillés entre Katana et Calais Centre. Pendant la pluie, les conducteurs des véhicules traversent des moments très difficiles sur les tronçons qui attendent les 70% du reste des financements. Fin de ce journal, mais avant de vous quitter, le rappel de titre.
L'apport de la femme dans le pays n'est plus à démontrer. Dans ce journal, vous avez suivi le coup de projecteur sur Madame Ndiba, veuve de son état, vendeuse de pain depuis une trentaine d'années pour la survie de sa famille. Voilà qui boucle complètement ce journal. Merci à toute l'équipe technique de l'avoir réalisé. L'actualité reste en continu sur nos antennes. 19h, Nadine Kilocho. See.